Je tiens à remercier le président de la transition, les membres du comité du CTRI, le chef du gouvernement, mais aussi le ministre de l'Agriculture. Je les remercie par rapport à l'ensemble des nominations qui ont été faites au niveau du ministère lors du dernier Conseil des ministres. Ces nominations, pour moi, elles cadrent avec la vision du nouveau Gabon. Elles cadrent avec la vision du CTRI. Pourquoi ? Parce que il y a dans cette nouvelle équipe qui va accompagner le nouveau ministre de l'Agriculture, des jeunes hommes et femmes brillants, des jeunes brillants, dynamiques, et des jeunes qui, depuis des années, ont pu observer les forces et les faiblesses de notre secteur agricole, avec qui nous avons travaillé dans différents projets, et nous pensons que ces jeunes vont apporter un souffle nouveau. Ils vont innover le secteur agricole au Gabon. Le secteur agricole au Gabon manque d'innovation. Il manque d'innovation. Il manque de personnes optimistes. Et là, je pense que le ministre, sur proposition du ministre de l'Agriculture et validation du Premier ministre et du chef de l'État, nous avons aujourd'hui une équipe de jeunes capables de relever les défis du nouveau Gabon dans le secteur agricole. Et moi, en ce qui me concerne, je vais être encore beaucoup plus présent sur le terrain, parce que moi, mon bureau, c'est le terrain, pour accompagner le nouveau ministre de l'Agriculture et l'ensemble des directeurs des équipes qu'il vient de nommer, et que je félicite encore une fois de plus, parce que je suis très satisfait. Je suis très satisfait parce que Monsieur le ministre, sur sa proposition et validation par le chef de l'État et Monsieur le Premier ministre, ont pu nous débarrasser d'un bon nombre de prestidigitateurs qui étaient dans le secteur de l'administration.